Moins de 24 heures après l'accueil qu'ils ont réservé au candidat Mahamat Idriss Déby Itno, les militants se sont à nouveau rassemblés à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Ils sont sortis en masse pour cette fois-ci écouter le message du candidat de la coalition. Le chef des missions pour la province du Wadaï, Abderrahim Birame Hamid, ministre d'État, ministre de la Justice, est le premier orateur à saluer la mobilisation. Comme au lancement officiel de la campagne, c'est Mahamat Zen Bada qui remobilise les troupes. La mobilisation est très grande. C'est en fonction de l'attente que nous avons. Nous pensons que les 550 et quelques mille inscrits de la province du Wadaï, à partir du 6 à 11 heures, ils auraient fini le vote. Est-ce que c'est vrai ou non ? À la suite du directeur national des campagnes, c'est le candidat en personne qui est invité sur le podium. Témoin de la forte mobilisation à son arrivée hier soir, Mahamat Idriss Déby Itno exprime sa gratitude à tous les militants de la coalition pour un Tchad uni avant d'aborder son projet de société. Sur les 12 chantiers que propose le candidat, c'est le point 7 relatif à l'eau qui cadre avec les préoccupations majeures de la population d'Abéché confrontée à un réel problème d'accès à l'eau potable. Un problème auquel Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas étranger. Car entre lui et la ville d'Abéché, il y a un lien particulier. Je suis venu à Abéché en 2004. C'est ici que j'ai eu mon bac. C'est à partir d'ici que ma carrière a commencé. C'est grâce au bac que j'ai eu ici, je suis allé faire l'école des officiers. Je suis l'homme que vous voyez devant vous. Je suis ce qui est devenu grâce à Dieu et grâce à Abéché. S'il a la confiance de la majorité du peuple tchadien, le 6 mai prochain, Mahamat Idriss Déby Itno promet de doter chaque chef-lieu de département d'un château d'eau. Les infrastructures routières et sanitaires seront édifiées pour le bien-être de la population du Wadaï. Et pour mieux impulser le développement de la ville, Abéché sera organisé en arrondissement, a annoncé Mahamat Idriss Déby Itno. Choisissez-moi le 6 mai 2024 et jugez-moi au bout de mon mandat, a-t-il lancé.